Hey, salut tout le monde, c'est Twizy de la Bionic Sim, j'espère que vous allez bien. En ce qui concerne, j'ai vraiment la grande forme et aujourd'hui on se trouve pour les news de YouTube. Mai 2014, il s'agit du 8ème épisode, et oui déjà. Et ce mois-ci, des news vraiment très très intéressantes avec des découvertes de youtubeurs en tout genre, du rap, des montages de qualité, des séries vraiment sympas. Et à la fin de l'épisode, comme d'habitude, la rubrique le youtubeur du mois, et bien évidemment, je suis compagnie de Nadox, salut à toi. Eh oui, salut tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 8 des news de YouTube, comme l'a dit Twizy. Et avant toute chose, on voulait vous dire que d'ici peu va apparaître sur la chaîne le trailer de notre toute nouvelle série sur l'actualité YouTube, donc soyez actifs. Et on va pas vous laisser patienter plus longtemps, et on vous laisse sur la première news de ce mois de mai. Et allez, sans perdre de temps, commence directement ces news de YouTube du mois de mai 2014 avec une première pour notre série et où il s'agit bien de l'apparition d'un YouTuber qui réalise de nombreuses vidéos sur le célèbre jeu FIFA et donc je parle bien de Neoxid7, YouTuber de 24 ans qui a réuni une belle communauté de plus de 3400 abonnés et en un peu plus de 1 an. Et donc maintenant on vient à ces deux séries qu'il propose sur sa chaîne, comme tout d'abord Carrière Pro, où il rentre dans la peau d'un seul joueur, où ensuite il évolue à travers plusieurs équipes dans le monde entier, mais aussi bien évidemment de sa série principale actuellement qui est Carrière Manager, qui marche quand même énormément bien sur sa chaîne et qui a débuté le 11 avril dernier, qui compte pour le moment 7 épisodes, où il devient entraîneur d'une grande équipe Chelsea, où est son but principal de gagner le maximum de titres. Donc voilà tout pour Neoxid7, et on se retrouve juste après avec Nadox pour Nouvelle News. Allez, c'est parti pour cette deuxième news dans laquelle je vais vous présenter une team de scalpers et knifers du nom de INK Clan, qui signifie Inglorious Knifers. Cette chaîne de pratiquement 4000 abonnés réalise, comme son nom indique, des montages, des top 5 ou encore des killcams avec principalement des kills au couteau de combat ou à la tomahawk. De plus, cette team possède de nombreux membres avec plus de 15 joueurs, 5 designers, 5 éditeurs, un commentateur et pour finir deux leaders qui sont INK Diff ainsi que INK Obno qui possèdent chacun une chaîne personnelle. De plus, pour se faire connaître, cette team a proposé ses montages à la Code QG avec par exemple leur montage pour leurs 3000 abonnés. Donc je vais vous laisser sur un petit extrait de celui-ci et je vous laisse avec Twizy. Et on continue directement avec un jeune youtubeur qui réalise des vidéos humoristiques, que ce soit sur Call of Duty ou encore le célèbre jeu GTA V, mais pas que. On peut aussi le considérer comme un rappeur talentueux, et oui c'est bien ça, grâce à ses nombreux raps de qualité. Il s'agit bien évidemment de Dailymotion, youtubeur depuis le 27 mai 2013 qui atteint bientôt l'énorme cap de 10 000 abonnés grâce à son tout dernier rap Addiction aux jeux vidéo, qui a été beaucoup apprécié par la communauté à la suite de nombreux passages sur de chaînes communautaires comme Play Delir Online, Le Bon Plan du Geek et Wiz Gamer. Donc maintenant je vais vous laisser avec un petit passage de son rap qui compte actuellement plus de 5000 vues pour plus de 600 likes, et oui c'est quand même pas mal, et on se retrouve juste après avec Nadox pour une nouvelle news. À croire pour exister, pour réagir comme une puce. C'est dur à dire, mais je suis addict aux jeux vidéo. Pas à cause d'Activision, bitch, dans tout bien Nintendo. Un simple conseil, dis tout ce que t'as dans le cœur à ta mère. Elle a souffert pour toi, tu me diras jamais le contraire. J'ai fait des milliers d'erreurs, elle m'a toujours pardonné. À part mon amour, moi j'ai jamais rien donné. Allez, maintenant je vais vous parler de Mafia 774 2008, qui est une chaîne consacrée au célèbre jeu GTA V. En effet, celui-ci réalise de nombreux tutoriels et montages sur ce jeu. Cependant, sa particularité, c'est que celui-ci réalise seulement des cascades totalement impressionnantes en voiture ou moto dans ce dernier opus de GTA. Cependant, je vais vous parler de la série phare de sa chaîne maintenant, qui n'est d'autre que Jump of the Day, composée actuellement de 40 épisodes, durant laquelle ce youtubeur réalise une cascade sur GTA, puis arrive ensuite le fail du jour et enfin le moment le plus what the fuck avec par exemple des bugs, etc. Donc je vous conseille vivement d'aller voir sa chaîne ainsi que cette série et je vous laisse sur une de ses cascades. Maintenant, je vais vous parler d'un youtubeur de 1400 abonnés environ du nom de El Moario. Ce youtubeur est l'un des rares youtubeurs à faire sa chaîne
non seulement pour se détendre et s'amuser, mais principalement pour faire passer un message à la communauté. En effet, celui-ci a pour but de distraire la communauté tout en parlant de ses avis, etc. Ce qui donne une touche d'originalité à cette chaîne. Cet ex-joueur compétitif et coach d'un roster Deserto réalise de nombreuses vidéos avec des sujets de vie, avec par exemple des témoignages, etc. Et de plus, celui-ci réalise une série qui comporte pour l'instant 7 épisodes du nom de Le Saviez-Vous, dans laquelle ce youtubeur parle d'éléments cachés dans les différents Call of Duty. Donc je te conseille d'y faire un tour. Et on enchaîne directement avec la dernière news avant de passer à la rubrique Le Youtubeur du Mois. Cette fois-ci, on parlera d'un montage, je dirais même bien plus qu'un montage, qui a pour but de récompenser les 25 000 abonnés de CISO ou encore Rage CISO, jeune youtubeur qui propose des sujets IRL en gameplay de Call of Duty principalement, qui vient tout juste de dépasser l'énorme cap des 35 000 abonnés. Et oui, donc comme quoi, ça allait vraiment très très vite. Et donc son montage Act of Valor a vraiment été une réussite sur sa chaîne avec plus de 13 000 vues pour presque 2000 likes, tout simplement parce qu'il s'agit pas d'un simple montage, car celui-ci comprend une histoire, un scénario je dirais, qui est vraiment très très bien imaginé, en plus de clips magnifiques, tout ça édité par Armando, éditeur talentueux qui propose énormément de montages sur sa chaîne. Donc je vais vous laisser maintenant avec un petit passage de son montage, on se retrouve juste après avec Nadox. After falling for 43 seconds, the time and barometric triggers started the firing mechanism. A uranium bullet fired down a barrel into a uranium target. Together, they started a nuclear chain reaction. Solid matter began to come apart, releasing untold quantities of energy. Et c'est donc parti pour la rubrique du youtubeur du mois. Donc ici le youtubeur concerné n'est d'autre que Kiroua, qui a passé il y a pas très longtemps la barre des 10 000 abonnés, donc félicitations à lui, et qui a réalisé sur sa chaîne plus de 250 000 vues. Donc sa chaîne est principalement consacrée aux jeux vidéo ainsi qu'à l'humour, car en effet celui-ci partage ses délires à travers les différentes vidéos qu'il réalise. Donc maintenant je vais vous citer les principales séries qu'il a réalisées, avec donc tout d'abord Battle Fake, qui est une parodie du célèbre jeu Battlefield et qui comporte actuellement 13 épisodes. Watch Cats, durant laquelle Kiroua réalise une parodie des trailers de Watch Dogs. Et je peux vous avouer que c'est du grand travail, car celui-ci réalise près de 13 heures de montage. Et enfin, il réalise d'autres séries, tout comme Working Speed, qui n'est d'autre qu'un best-of, tout simplement des meilleurs moments passés sur DayZ, qui est un jeu de survie pour ceux qui ne le savaient pas. Pirate des Kiriweeb, excusez-moi la prononciation, avec Assassin's Creed 3, ainsi que de nombreux zappings, tout aussi what the fuck les uns que les autres, qui rassemblent donc tous les meilleurs moments de ses vidéos ou de ses délires sur différents jeux qu'il envoie ensuite à la Play Comedy Club ainsi qu'à la Wiz Gamers. Donc pour conclure, je dirais que le mot délire et what the fuck résume totalement la chaîne de ce youtubeur, qui te fera rire, j'en suis sûr. Donc comme à chaque fin de cette rubrique, je vais vous laisser sur un petit montage réalisé par moi-même afin de vous présenter le youtubeur Kiroua, et on se retrouve après pour le message de fin avec Twizy. Et donc l'épisode des news de mai 2014 est maintenant terminé, et j'espère que celui-ci vous aura plu, et je voudrais remercier vous les abonnés pour le passage du cap des 1000 subs, ainsi que la WizGamers pour notre ancien passage sur cette chaîne, et aussi s'ils nous uploadent, ainsi que toutes les chaînes communautaires. Et surtout n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne des différents youtubeurs, ça leur fera plaisir, j'en suis sûr. Les liens seront dans la description de notre vidéo, et bien évidemment, pour récompenser de notre travail, un petit pouce bleu, le commentaire, et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et encore une fois, merci beaucoup pour les 1000 abonnés, allez, ciao.